Fournier Benjamin, gérant de l'entreprise BFELEC. J'ai créé l'entreprise depuis 2010. On est spécialisé dans l'électricité générale et on est implanté sur le bassin d'Aurillac, donc dans le sud du Cantal. J'ai eu la chance d'obtenir le trophée donc du coup de cœur du jury suite à une réalisation de remise aux normes d'un vieux four à pain. On a réalisé l'installation électrique. La CAPEB me soutient généralement dans plusieurs cadres, autant sur le boulot, sur la partie administrative, tout ça, ils m'aident. Donc ils me font également travailler parce que c'est des clients. Ils sont toujours là en cas de questions. Ils m'ont incité également à postuler pour les 19e trophées de l'artisanat. Chaque année, je voyais un petit peu ce trophée-là qui m'intéressait bien évidemment. Par manque de temps, donc j'ai pas pu postuler auparavant. Donc cette année, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. J'ai dit, allez, on va le faire. Et puis, et puis finalement, ça fait plaisir au jury, je pense. Donc la matinée a été très bien organisée, enrichissante. On a pu connaître d'autres entreprises, d'autres savoir-faire. Et donc échanger entre personnes du même milieu où on se comprend, où on a les mêmes problématiques, et c'est ce qui nous permet d'évoluer et de faire évoluer notre secteur et de justement le mettre en valeur et de le faire connaître. Notre travail n'est pas assez mis en évidence, surtout nous les électriciens où une grosse partie de notre boulot ne se voit pas. Donc là, pour une fois que j'ai pu faire voir ce que je faisais, et ça met en valeur un petit peu ce qu'on sait faire, notre savoir-faire et de la manière la plus traditionnellement possible. J'ai eu la chance pour ma première participation d'avoir été lauréat. Je vais peut-être laisser la place à d'autres confrères, voilà, tout ça. Je vais essayer de peut-être soutenir d'autres entreprises, pas forcément en électricité, mais les inciter justement à participer à ce projet et ce qui leur permettra de se faire connaître et de faire connaître notre Cantal à nous. Voilà.